Bonjour Christiane Taubira, merci beaucoup de nous recevoir quelques instants ici à la résidence de l'ambassade de France de Washington. Alors vous êtes aux États-Unis pour 48 heures, 24 heures à Washington, 24 heures à New York. Je vous remercie beaucoup de donner à iTélé cette interview. Qu'est-ce que vous attendez précisément des Américains puisque vous êtes ici pour parler de la lutte antiterroriste? Alors c'est une invitation à laquelle j'ai souscrit très très volontiers parce que c'est l'occasion d'exposer évidemment les politiques françaises en matière de lutte contre le terrorisme. Et je dis au pluriel les politiques françaises parce qu'évidemment nous avons le souci, après les attentats odieux que nous avons subis, nous avons le souci d'être de plus en plus performants dans l'élaboration des instruments, des outils qui nous permettent aussi bien sur le plan administratif, sur le plan policier, et sur le plan judiciaire, d'être efficace, d'anticiper et donc d'assurer la sécurité des Français. Alors, mais nous estimons qu'il faut également identifier les causes, c'est-à-dire qu'il faut être très ferme et très efficace contre les terroristes et en même temps assécher le terreau dans lequel ils recrutent. Alors justement, sur la sécurité, il y a eu beaucoup d'émotions en France justifiées après les attentats, aux États-Unis aussi. Il y a tout un débat après le 11 septembre qui s'est passé dans ce pays sur la liberté par rapport à la sécurité. Les Français réclament plus de sévérité. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il faut restreindre la liberté individuelle des Français quand on parle de sécurité? Les Français ont montré par leur forte mobilisation du 11 janvier qu'ils étaient extrêmement attachés à la République, extrêmement attachés à la démocratie. Et cela suppose que tout simplement, ils considèrent que leurs libertés individuelles, leurs libertés publiques doivent être préservées. Ils ont marché pour défendre la liberté d'expression. Ils ont marché pour défendre la République. Ils ont marché pour défendre la possibilité pour chacune, chacun, quelle que soit sa religion, avec ou sans croyance, que nous soyons en capacité de vivre ensemble. Pour le reste, nous devons... Vous êtes pour plus d'écoute, par exemple, pour plus d'écoute téléphonique? Alors, compte tenu justement de l'attachement des Français à la démocratie et à la République, compte tenu de leur légitime revendication de préserver leurs libertés individuelles, leurs libertés publiques, nous devons, nous, répondre à ce défi. Comment être efficace? Donc effectivement, comment surveiller efficacement? Et nous n'avons aucun souci avec ça. Nous devons être performants. Il ne s'agit pas de se mettre à écouter tout le monde, à surveiller tout le monde. Sinon, on ferait presque un Patriot Act à la française. Et ça, il n'en est pas question. Ça n'est pas la demande des Français. Ça n'est pas dans l'histoire française. Ça n'est pas dans la culture française. Ça n'est pas non plus dans la conception que nous avons à la fois de la nation, de la République et de la démocratie. Par conséquent, il nous faut trouver ce chemin un peu étroit entre comment armer l'État de la façon la plus efficace, mais permettre la préservation des libertés individuelles et des libertés publiques. La réponse, elle est relativement simple. C'est effectivement se donner les moyens de surveiller, se donner les moyens de contrôler, se donner les moyens d'agir, mais il ne faut jamais que le juge soit loin. Que dites-vous à un jeune qui part en Syrie et qui a envie de s'engager? Ça doit vous toucher, ça, en tant que femme. Quelqu'un qui a 18 ans, qui se dit, voilà, c'est mieux d'aller en Syrie combattre ou revenir pour me faire exploser. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce jeune? Alors, nous avons évidemment une grande perplexité sur la façon dont des jeunes qui ont toute la vie devant eux puissent se mettre à donner la mort et à la désirer eux-mêmes. Mais nous devons comprendre cela, parce que sinon nous risquons nous-mêmes d'être défaits, nous risquons nous-mêmes d'être vaincus. C'est pour ça qu'il nous faut nous donner les moyens de lutter contre les terroristes, mais aussi d'assécher leur terreau de recrutement. Mais si vous aviez un jeune devant vous de 20 ans qui vous dit, voilà, moi j'ai vraiment envie de partir, c'est là où le combat se passe, qu'est-ce que vous lui diriez? Je prends le temps de lui parler. Ça n'est pas par slogan qu'on peut lui dire d'une phrase, tu ne pars pas. Mais c'est comment qu'on peut le dissuader de partir? D'abord, il faut s'interroger sur les raisons, quels sont les ressorts profonds qui font que des jeunes soient réceptifs à ce discours de destruction, de dévastation, de mort tout simplement. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on porte la vie en soi à cet âge-là, et que l'on peut rire de tout ce qui peut venir, que l'on peut se sentir prêt à affronter tout ce qui peut venir, pourquoi ce choix morbide? Pourquoi ce choix mortifère? Pourquoi ce choix sordide, funeste? Il nous faut comprendre cela. Et c'est pour cela que le Premier ministre a dit qu'il faut interroger tous ces ressorts et apporter des réponses, qui soient évidemment des réponses de sécurité, évidemment des réponses de justice, mais aussi des réponses d'éducation, aussi des réponses d'urbanisation,
aussi des réponses de politique de ville, aussi des réponses de culture, aussi des réponses d'accompagnement à l'emploi. Alors vous citez le Premier ministre, j'ai envie et je dois vous poser cette question. Hein. Il a parlé d'apartheid en France. Vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'il y a de l'apartheid en France ? Écoutez, il y a des territoires de ségrégation. Il faut se boucher les yeux. Mais le mot apartheid, c'est un mot fort quand même. Écoutez, on va pas. Il y a des territoires de relégation. C'est absolument incontestable. Et la question, c'est pas une querelle sémantique. La question est qu'est-ce qui s'est empilé pendant toutes ces années ? Mais vous avez été choquée, vous, personnellement, par ce mot ? C'est une question difficile. Non, parce que je suis en train de vous dire que je ne vois pas l'intérêt de la querelle sémantique. Je dis que la réalité sociale, la réalité politique, la réalité tangible, c'est qu'il y a des territoires, mais ça concerne d'ailleurs aussi bien la périphérie de grandes villes que des territoires ruraux. Il y a des territoires où les gens sont abandonnés à eux-mêmes, où l'État s'est retiré. Il s'est retiré en fermant des écoles, en fermant des maternités, en fermant des hôpitaux, en fermant des services sociaux, en fermant des centres culturels, en fermant des commissariats, en fermant la poste lorsque la poste était publique. L'État s'est retiré, les habitants se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. C'est une réalité. Et c'est quoi la solution ? Mais la solution, c'est de recoudre le lien social, de retravailler la cohésion nationale. Et ça, ça passe par l'égalité des droits, et par la réalité, la lutte contre les discriminations, la réalité des services publics partout sur le territoire, la réalité de l'attention à chacune, à chacun, parce que c'est comme ça qu'on fait société. Vous avez rencontré tout à l'heure le ministre de la Justice, Eric Holder. Je sais que vous avez été très touché, parce que j'ai mes sources qui m'ont dit que vous aviez été très touché avec des photos échangées du ministre de la Justice avec vous. Il paraît que c'était un moment extrêmement émouvant. Ça vous a beaucoup ému, ça. Oui, mais nous avons une très belle relation. Je l'ai reçue à Paris. Nous avons déjà plusieurs fois échangé au téléphone. Et j'ai été très, très heureuse d'être reçue par lui ici. Et en plus, depuis notre premier contact, il me parle de ses filles. Et bon, ce qui m'a touchée, c'est qu'évidemment, il est en train de partir. Et qu'il a dit, publiquement que... Que vous étiez courageuse. Oui. Et je sais, par mes contacts, qu'il vous a beaucoup salué sur Ferguson, au moment où vous avez tweeté. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché, ça ? Que les Américains reconnaissent votre courage ? Pas qu'ils reconnaissent mon courage, mais qu'on se retrouve sur des choses essentielles. On parle tous les jours de tas de choses sur lesquelles on fait des gammes, mais il y a des choses essentielles. Donc vous ne regrettez pas ce tweet ? Qu'est-ce que la vie ? Pas un quart de seconde, je ne l'ai jamais regretté. Ceux qui veulent font des gammes sur ça, justement, mais... Vous en avez parlé avec le président de la République ? Est-ce non, que François Hollande vous en a parlé ? Non, l'occasion ne s'est pas présentée, mais enfin, on ne va pas faire... Alors, il y a un chapitre sur l'apartheid, maintenant, on en fait un sur le tweet. Non, sur les sujets qui... Mais il y a des choses qui sont essentielles, il y a des choses qui sont vraiment essentielles. Bon, je vais terminer par la parler... La vie, les droits, les uns, les autres. Ok, je vais terminer par parler simplement de Barack Obama, puisqu'on est dans la ville de Barack Obama. On est aussi dans la ville de House of Cards, hein, où la politique se fait parfois... à coup de questions dures, à coup aussi de coups bas. Il y a beaucoup de Français qui sont déçus par Barack Obama. Est-ce que vous êtes déçus par Obama ? Non. Ceux qui sont déçus sont peut-être ceux qui croient que la politique est une promenade. Barack Obama est fidèle à ce qu'il a dit. Il est confronté à des difficultés parce que l'exercice du pouvoir, notamment dans les démocraties, est une difficulté permanente parce qu'il faut composer, qu'il faut affronter des contre-pouvoirs, qu'il faut traiter avec des lignes de force. Donc moi, je trouve que Barack Obama, sur sa pensée profonde, la perception qu'il a de ce pays, qu'il a compris, qu'il porte en lui, sur la perception qu'il a du monde, la relation qu'il a renouvelée entre les États-Unis et le monde, son engagement sur des valeurs profondes, la lutte contre les inégalités, les solidarités nouvelles, le courage d'attaquer des fortunes indécentes, les valeurs. Touche. Oui, bien sûr. Et là, je trouve qu'il est constant, qu'il est fidèle à lui-même. Et par conséquent, non, je n'ai aucune raison d'éprouver de déception. Un Obama à la française, c'est possible ? Nous verrons bien. Ça vous tenterait de vous présenter à la présidence, de nouveau en 2017 ? Non. Non, vous n'êtes pas candidate à l'élection présidentielle ? Non. D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive ? Non, mais j'ai envie de suivre les gens. Qu'est-ce qui vous prend ? Non, je termine simplement par une question. Est-ce que vous avez un regret ?
Je termine toujours mes interviews comme ça. Est-ce que vous avez un regret dans votre vie politique? Ben, il faudrait que je réfléchisse pendant une semaine. Non, maintenant. Non, non, je ne crois pas qu'on puisse vivre avec des regrets. J'ai du mal à répondre à cette question. La dernière fois, parce que vous avez été, en tant que femme, moi, quand je vous observe, vous avez été soumise à des attaques incroyables de la part du Front National. C'est pas fini. Est-ce que vous pleurez parfois? Ah, pas pour des âneries pareilles, non. Non, non. Je pleure de joie, je pleure d'émotion, je pleure de tristesse. Il y a de vrais sujets de tristesse dans la vie. Je pleure de compassion, mais je pleure pas parce que des imbéciles arriérés me traitent de tous les noms ou qu'ils ont des fixations sur moi. Non, si je m'y arrêtais, peut-être que ça me ferait, j'allais dire sourire, mais ça ne mérite pas un sourire non plus. Il y a quelque chose qu'on fait dans la société créole, dans les sociétés créoles, donc en Guyane, mais ailleurs aussi. C'est un langage très féminin et c'est ce que ça m'inspirerait. Ça s'appelle un chip. Chip. Un chip. Parfait. Merci beaucoup, Christine Tubera. J'aime concentré de dédain. Concentré de dédain. C'est ce que vous inspire Marine Le Pen? C'est qui, ça? La meilleure réponse face à Marine Le Pen pour la gauche en 2017? Vous ouvrez un nouveau chapitre, là. Oui, j'ouvre un nouveau chapitre. Merci beaucoup, Christine Tubera. Merci de m'avoir reçu. Merci.